Africa Comedy. Africa Comedy. Africa Comedy. L'intégration à travers le mot. Africa Comedy. Africa Comedy. Africa Comedy. L'intégration à travers l'humour. Faradarala. Bakarika faradarala. Mawaribo. Les pirates, excusez-moi. Chanson là, c'est pour moi. Faradarala. Bakarika faradarala. Mawaribo. Bonsoir. Si vous êtes ici, c'est que vous n'êtes pas ailleurs. Et si vous n'êtes pas ailleurs, c'est que vous suivez Africa Comedy. Applaudissements pour vous. Ici, le Mali, c'est un pays beaucoup musulman. Mais ils sont au courant. Mais comment on choisit un pape? C'est pas facile. Si vous avez remarqué, depuis là, il n'y a pas un pape africain là. C'est pas facile. Il y a un pape qui est mort, il faut un nouveau pape. Donc, un représentant, on dit Amérique latine, c'est une Brésilienne qui est venue. On a mis une Brésilienne et puis une femme hindoue. Représentant du Brésil. Pour être pape, faut pas être... Quand on a mis le cardinal net là, on dit, ah, si tu sais que tu peux être pape, mais pour voir si tu ne peux pas, on va mettre femme devant. La brésilienne, qu'est-ce qu'on a fait? Ting, 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 ting. On l'a éliminé. C'est l'Africain même. Un noir. Il est même plus noir que moi. C'est lui que femme hindoue est devant lui. On va essayer. S'il est, il va devenir pape. Quand lui-même il est sorti, il a dit, il est éliminé. C'est resté un Européen. Quand lui est sorti comme ça, quand il a vu la femme, rien. On dit, ah, la fumée blanche va sortir. Là, ça va sortir. Brésilienne vient devant lui. Rien. On dit, envoyez femme hindoue là. Rien. On dit, ah, au moins on a eu pape. Ah, pour être pape, on doit te mettre un chapeau là. Donc celui qui va mettre chapeau là, il est venu. Il a mis chapeau. Quand il a serré sa main, c'était un garçon qui a serré sa main. T'as dit, gain, 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 gain. Bon, c'est vous qui avez compris, moi, il n'ai rien dit. Non, je sais que c'est pas moi, on est venu regarder. Ceux qui sont venus regarder, ils sont là. C'est ça, Africa Comedy. Et c'est comme ça, chaque mois, à Bamako. Quand je suis parti un peu à Niamey tout récemment, on dit Bamako s'appelle la capitale du riz. Il dit, ah, si c'est capitale africaine du riz, c'est bon. Mesdames et messieurs, trop parler, ça donne quoi? On a vu le magnifique. Maintenant, il reste un dernier titan. Je ne sais pas si on doit applaudir pour lui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit faire pour lui. Mesdames et messieurs, pour vous, la cravate de Digbo! Mais les escaliers, là, quand on marche, on dirait qu'on est un film. Hein. Là, je suis obligé de marcher en one man.
C'est pas ascenseur, hein, c'est escalier. Tes affaires là sont tombées. Vous cherchez travail, on vous donne, vous jetez les choses déjà. D'un côté. Ouais. Ça va? Ça va, mon frère. Bonsoir. Asseyons-nous. Et discutons. Ouais. Bonne arrivée chez nous à Bamako. Merci, merci. Et le voyage? Oh, le voyage, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Okay. Mais il y a une fille qui a failli m'énerver dans l'avion. Mais bon, on laisse ça tomber. Ok, là où tu es assis, dans ce petit carré, ce n'est pas un tribunal, mais là, on appelle ici le secteur de Saint-Joker. Saint-Joker, ça veut dire quoi? Question, je vais te poser là. Ouais. On ne passe pas à gauche, on ne passe pas à droite, tu réponds. On répond. En même temps. Ça, c'est un petit problème. Okay. Normalement, mon grand-père m'a dit que quand quelqu'un te pose une question, il faut répondre. Non, c'est pas aujourd'hui, là, tu as me posé une question, puis moi, je vais commencer à faire. Tu fais cravate? Oui. Ma première question, les gens ont remarqué que Dibé cravate, il parle mal. Et puis, il y a des gens qui ont dit, sa bouche est trop dure. Pourquoi? Pourquoi il dit ça? Attends, sa bouche est trop dure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu parles mal, quoi. C'est ça, on dit, chez nous, à Sabalibou, on dit sa bouche est dure. Ah, ça veut dire que tu parles mal. Ah, sinon, chez nous, quand on dit sa bouche est dure, ça veut dire qu'il y a os dedans. Est-ce que tu peux parler mal aux gens? Pourquoi les gens? Non, je ne parle pas mal. Je montre simplement aux Africains comment ils sont, comment ils s'expriment vis-à-vis des autres. Et à partir des rôles que j'incarne, il faut qu'ils sachent que il y a beaucoup d'Africains qui se reconnaissent là-dedans. Parce que blanc, quand il veut te parler mal, c'est de façon raffinée. Voilà. Oh, Africain, quand il veut te parler mal, il te parle mal. Souvent, quand tu dis la vérité, on dit que tu parles mal. Il y a ça aussi. Parce que l'Africain, il n'aime pas la vérité. Ok, Dibé Cravate. C'est la question qu'on a là. Ouais, on commence comme ça. Bon, ouais. Dibé Cravate. Tout le monde a vu Dibé Cravate dans la série À succès, ma famille, où vraiment tu as éclaboussé de tout ton talent. Mais après, il y a eu des. On dit Dibé a quitté ma famille, il y a eu trop de ragots aujourd'hui là. Il faut nous dire en quelques minutes qu'est-ce qui s'est passé. C'est quoi la vraie vérité? C'est vrai que les gens ne sont pas informés. Les journalistes ont pris l'affaire comme si c'était. Allez, on dit, vous avez laissé Akissi Delta. Oui, non, attends. Akissi Mien s'est laissé aussi. C'était la fin de la saison. Vous savez que ma famille a démarré en 2002, en août 2002, et en août 2007. On a arrêté ma famille, il fallait réfléchir pour trouver encore d'autres histoires et tout. Je pense que dans un an, on va reprendre une autre saison de ma famille, précisément dans un an. Ah, ça nous rassure. Sinon, je n'ai pas quitté ma famille. Si je quitte, tout le monde va savoir. Ah, d'accord. Ok, Dibé Cravate, ça... Quand je dis que tu es arrivé ici, le téléphone d'Africa, les hommes n'ont pas appelé beaucoup. Hein. Mmh. Les femmes ont dit de te demander. Mais elles sont affairées, femmes. Voilà. Dibé Cravate là-haut. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a des enfants? Ah. Avec qui il est marié? Ah. Il a combien d'enfants? Hey. Enfin, il y a celle qui me regarde comme ça. Qui ça? Ça qu'elle est devant. Ben, je suis marié. Je suis marié, ça fait 2 ans, légalement. Ça fait 2 ans, j'ai trois... Applaudissez, ça fait rien, applaudissez. Ne soyez pas découragés. J'ai 3 belles petites filles
Et je suis musulman, donc je peux avoir deux femmes. Du vrai cravate, tu peux avoir 3-4 femmes d'après la religion, d'après l'islam. Ouais. Ici, il fait chaud. Hein. Ouais. C'est vrai. D'après le magnifique qu'on a en Afrique. Du vrai cravate, ouais. Quels sont tes voeux? Est-ce que tu as des projets? Dis-nous ça. Ben oui, moi j'ai beaucoup de projets. D'ailleurs, avant d'arriver, je suis en train de préparer une tournée d'humour en Côte d'Ivoire. J'ai même sollicité ATT Junior qui va représenter le Mali. Ce qu'on n'a pas encore vu, c'est ce qu'on va voir. Voilà. Vous êtes organisé ici. Hein. Alors, donc, j'ai sollicité la participation de ATT Junior. J'ai sollicité la participation d'un jeune humoriste camerounais que j'ai connu quand je suis allé au Cameroun. Oui. J'ai sollicité la participation de deux jeunes Togolais. Ah oui. Et pour ne citer que ceux-là. Mmh. Et j'ai je ne devais pas le dire, mais je crois que ce sera bon pour le Mali. Je suis en train de voir si je peux tourner une série ici à Bamako. Et il est marié. Hein? Ah ben c'est juste une parenthèse. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de projets. En ce moment, je travaille en collaboration avec Maman. Quand tu viens au sérieux, mais c'est pas dans, on est dans le carré des sérieux, c'est là-bas là on va faire. Et je suis en collaboration, en train de travailler sur un projet avec Maman où je dois partir avec au moins 15 humoristes africains à Paris pour des spectacles et des enregistrements de stand-up. Et donc je suis en train de travailler là-dessus et ça va se faire très bientôt. Et je suis très heureux d'être à Bamako. Ok, nous aussi on est très heureux de te voir. Et chose pourquoi on est venu, c'est de te voir sur la scène en train de jouer. Vous voyez, chez nous on dit trop parler. Ça donne goitre. Dibé Cravate, avant qu'on ne te voie, ça c'est pour toi. Côté jardin, Dibé Cravate. Révélé grâce au petit écran dans l'émission à succès de la première chaîne de la télévision ivoirienne en son temps appelée Dimanche Passion, petit à petit, Michel Blanc, ou si vous voulez, Dibé Cravate, disais-je, petit à petit, a fait son petit trou pour se retrouver dans la grande production à succès J'ai appelé ma famille. Et là, en tant que gérant de cabine, Dibé Cravate a éclaboussé de tout son talent. L'appétit venant en mangeant, il s'est retrouvé derrière la caméra en tant que réalisateur et surtout scénariste. Avec des productions telles Les aventures de Dibé Cravate, La Revanche, ainsi de suite. Dibé n'arrête pas de pousser. Une fois de plus, en tant que comédien, il s'est retrouvé avec le grand Michel Gou dans une grande tournée européenne dans leur troupe à créer appelée les Safasson. Depuis ce temps, le sieur, la cravate de Digby est sur toutes les scènes africaines, européennes. Aujourd'hui pour vous, il est à Bamako dans le cadre de l'émission Africa Comedy. Mesdames et messieurs, sans trop vous faire languir, voici la cravate de Digby. Mon frère, ça fait à peine 2 jours. Ah bon? Mm-hmm. On y va. Pour ta voix, c'est pas facile. Non, arrête ça. Non. D'habitude, on dit Dibé Cravate, mais moi, je connais Michel Blanc. Alors, c'est notre émission, votre émission, émission des humoristes, ouais. Émission qui donne un tapis rouge aux humoristes les plus célèbres de l'Afrique, que nous appelons Africa Comedy. Aujourd'hui, c'est vous que nous recevons, ou du moins c'est vous qui nous recevez, ça dépend de là où on se trouve. Voilà. Mais on voulait savoir pourquoi Dibé Cravate. Oui, mais tu sais qu'en Côte d'Ivoire, il est difficile de s'imposer, surtout que nous sommes très nombreux, nous qui embrassons ce métier de comédien ou d'humoriste. Il y a tellement de comédiens, tellement d'humoristes en Côte d'Ivoire. Il fallait bien trouver un créneau où je pouvais sortir la tête du lot.
Et c'est ce que j'ai fait. Et bon, aujourd'hui, ça marche bien, Dieu merci. Ça marche bien. Est-ce à dire que l'humour nourrit son homme? Ah oui. Ah bon? Ah oui, 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 oui. Oui. Moi, je dis toujours, hein, on est, nous sommes en Afrique, il y a des gens qui nous voient, qui disent, si c'était en Europe, attends, mais il suffit de s'organiser, c'est tout. C'est parce qu'on n'est pas organisé et on ne sait pas se vendre. Il y a le métier que nous faisons, si vous ne savez pas vous vendre, il y a d'autres personnes qui sont là. Le travail, c'est-à-dire que chacun doit faire son travail. Mmh. Moi, je suis un artiste et il y a quelqu'un qui peut me vendre. Et je laisse cette personne travailler pendant que moi je réfléchis pour des prestations. Et en ce moment-là, on va de l'avant. Mais quand on n'est pas organisé, c'est là qu'il y a problème. C'est là qu'il y a problème. Moi, j'ai un peu mal au cœur quand je vois des gens dire à des comédiens « Bon, j'ai une petite réception là, viens, je te donne 30 000. » Ça fait mal. Ça me fait mal parce qu'il vit de ça. Moi, je vis de ça. Je n'ai pas d'autre métier. Mon métier, c'est ça. Il y en a qui ont la chance d'avoir 3, 4, 5 métiers. Mais moi, j'ai un seul métier et c'est ça. Voilà. Et si demain, est-ce que tu as un regret d'avoir embrassé cette carrière d'humoriste de comédien? Ben non. D'abord, si c'est à reprendre? Je le ferai. Je le ferai. Et j'allais même améliorer beaucoup de choses. Voilà. Parce que au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas... Je suis venu à l'art parce que j'ai aimé la chose. Ça, c'est le critère le plus important avant d'embrasser ce métier. Il faut aimer la chose. Parce que quand on aime un métier, on est patient, on accuse les coups qui viennent en face et on essaie de travailler encore pour mieux faire. Et c'est au quotidien. Et si tu n'aimes pas ce métier, c'est pas la peine. Les projets de... Ouh, les projets sont nombreux. Hein. Mm-hmm. Les projets sont nombreux. Vous savez que dans ce métier, on a envie de tout faire en même temps. Pour le moment, ma priorité, c'est mon spectacle. À la gare de Gagnoua, je vais faire la deuxième partie avec d'autres comédiens comme qui sont hors du pays, comme Souké, Cédric Kifati. Et voilà. Après ça, j'ai deux séries sous la main. Je suis en train de parler avec des financiers, mais bon, on attend toujours, on ne peut pas trop vite se prononcer. Et puis, il y a le projet de Delta qui veut reprendre aussi ma famille. Ah. Et voilà, il y a tout ça, on attend, on espère que tout ça va bien marcher. Et puis bon, on verra bien, quoi. Voilà. Alors, si Djibou Travat avait un message à l'endroit de la jeune génération qui arrive. Généralement, les jeunes d'aujourd'hui, ils aiment beaucoup plus l'argent. Ils ne cherchent pas à apprendre. C'est l'argent. Non, nous sommes entrés dans ce métier parce qu'on aime la chose. Et en plus, l'argent est venu après. C'est-à-dire qu'il faut travailler. Il faut être excellent dans son domaine pour pouvoir jouir de son talent. Et aujourd'hui, ils sont trop pressés. Il suffit de former quelqu'un, en deux semaines, il pense qu'il est fort, et tout de suite, il se dit comédien ou humoriste. Bon, voilà, il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. Il y en a plein. Il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. Dans les autres pays aussi, parce que quand je vais dans des festivals, je rencontre des comédiens dans les autres pays, et puis bon, on discute un peu, c'est les mêmes difficultés, pratiquement, mais bon, on espère que ça va s'arranger. Le plus important, c'est d'être rangé et d'avoir la tête sur les épaules. Ouh, il fait chaud. Excusez-moi, il y a quelqu'un ici? Ah, d'accord. Parce que j'ai rendez-vous avec une fille là. Une fille, quand elle accouche, c'est pas bon. Voilà. À droite, là, elle accepte vite. Non, il faut faire attention à tout ça. Hein. Quand vous invitez une fille que vous draguez, cherchez les positions où elle va accepter vite. Ici, ça donne la mauvaise humeur. Oh, ouais. Voilà. Donc, à droite, déjà, tu vois, le maquis est bourré aujourd'hui. Hein. Elle n'est pas encore arrivée. Excusez-moi, je peux avoir un jus? Oui. Voilà. Hein? Ouais. Merci. Hein. Bambako.
Non, Bamako évolue. Blanc même s'est dans maquillé. Ah, c'est parce que j'ai rendez-vous. Hein, sinon, vous pouvez changer d'idée tout de suite. Hein. Bon, mais c'est pas grave. Un garçon, quand tu es venu pour quelque chose, il faut recevoir. Je vais mettre mon téléphone ici, comme ça. Dès qu'elle m'appelle, en même temps, je sais. Voilà. Ah, c'est pas facile. Hein. Bonsoir. Ah, il y a les blancs ici. Ah, moi j'aime les blancs. Hein. Ouh là là, les blancs, j'adore les blancs. Parce que dans l'éducation, déjà, il y a une différence entre les blancs et les noirs. Ah oui, oui. Imaginez une femme blanche qui rentre dans un supermarché avec son fils de 9 ans. Voilà sa taille parce qu'il se nourrit. Et dans les rayons du supermarché, le petit blanc dit à sa mère, « Maman, est-ce que je peux avoir du chocolat ?» Ça, c'est le petit blanc. Et quand, vous savez, les femmes blanches adorent leurs enfants, souvent, elles leur donnent les noms des diables, de façon. « Vas-y, mon monstre !» Ça, c'est les blancs, ça. C'est en ce moment-là que Siri est rentré dans le même supermarché avec sa maman. Il a 9 ans, mais voilà sa taille, parce que lui, il mange. Et il voit le petit blanc. Maman, est-ce que je peux prendre des chocolats? Oui, aussi souvent, quand c'est pas diable, ils vont dans les légumes. Vas-y, ma carotte. Ça, c'est. Céline veut faire comme le petit blanc, là. Tu entends sur le dos de sa maman. Ma? Marco? Je vais manger gâteau. On n'a même pas de transport pour partir à la maison. C'est gâteau, tu vas manger dans le supermarché cher comme ça. Là. C'est-à-dire, nous, on nous frappe seulement. Non. Sérieux. Mais en fait, c'est ça. C'est ça. Dans l'éducation, on sait. Et même dans le love, il y a une différence. Mais c'est vrai. Le monsieur, quand il vient du boulot, le blanc, il vient, il trouve sa chérie devant la télé. Ça va, ma puce? Bamba quoi? Il t'a demandé de blâmer. Il dit, non, ça donne même pas l'envie à la femme de faire la cuisine pour son mari. C'est vrai. Et cette différence-là, moi, j'ai pris le bon côté des blancs. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Et quand vous cherchez une femme, il faut surtout lui demander son signe zodiaque. C'est très important. Oui, il y a des signes qui ne sont pas compatibles. Ah oui, oui, si tu es un mouton, et puis il y a des lions. Un matin, elle va te manger. C'est ça. C'est ça. Mais il faut reconnaître que les femmes nous fatiguent. Non, vrai, vrai. Les femmes nous fatiguent. Quand on vous drague là, après 2 semaines, si vous ne voulez pas, dites-nous, on va se retirer, c'est mieux. C'est vrai. Moi, j'ai un homme qui a dragué une fille pendant 7 ans. Oui, parce qu'il y a des garçons qui sont courageux. Et c'est quand on dit non, et ils viennent. Pendant 7 ans. Et après 7 ans, un samedi, il vient voir la fille vers 16h. Elle dit, bon, vraiment, je suis fatigué. Ce que tu veux faire, là, aujourd'hui, là, tu vas faire. Mais avant, je vais aller manger dans un restaurant chinois. Il n'a jamais mangé dans un restaurant chinois. Le soir, il va chercher la fille. Il a une grosse voiture. Les femmes, elles aiment ça. Oh, oui. Elles aiment ça. Ils arrivent, descend, il ouvre la portière. Ben, garçon, quand il n'a pas eu femme, il est très, très galant. Oui, oui, oui. Ça, c'est nous, ça. Quand on n'a pas reçu, là. Il ouvre la portière, descend, il ferme.
il est devant tout le personnel. Quand il est rentré dans le restaurant, la fille est derrière. Tout le personnel s'est mis comme ça. Elle dit, tu es connu ici? Il dit, oui, j'ai l'habitude. Ils sont allés s'asseoir. On leur a donné la carte du menu. Tout est écrit en chinois. La fille dit, moi, je ne comprends pas chinois. Hein. Ce que tu choisis, c'est ce que je vais manger. C'est là qu'il va se bluffer. Parce qu'un garçon, quand il te drague, vous arrivez quelque part, et puis tu dis, tu ne connais pas le coin. Il est fier. Il prend la carte. Ça, j'ai déjà mangé. Ça, j'ai déjà mangé. Donnez-moi ça. Le garçon dit non, ça c'est le nom du patron. Et tu as mangé patron, nous on a fermé le restaurant. Non mais c'est vrai. Et puis en plus les filles, quand vous draguez les filles, remarquez bien. C'est-à-dire que vous ne faites pas attention, vous vous jetez comme ça dans la gueule du loup. Il y a des coiffures qui vous parlent. Oui. Il y a les coiffures qui quittent ici, mais puis ça tourne comme ça là. Quand tu lui parles, les pieds font comme ça, le boule a fait comme ça. Ça veut dire, il faut dire pour toi, moi je vois devant. Mais toi tu ne sais pas, tu es là, tu insistes. C'est vrai, hein? Moi je vous dis, hein. Ah, j'ai reçu un message. Chérie, ne t'inquiète pas, à tout à l'heure. Ça, c'est quelle heure, ça? Où tu viens, où tu viens pas, tout à l'heure, là, c'est quoi? Non, moi, si, ici, il y a longtemps, on sortait ensemble, il y a longtemps, je suis parti. Parce que c'est ça aussi, hein. C'est ça aussi. Il faut qu'on se respecte. Tu vas pas être si fan de toi que toi, tu as te comporté comme ça avec moi. Alors, quand c'est respecté, d'ailleurs, il y a l'appelé. Si on commence, faut pas, on va commencer à être foutaise. Oui, allô? Non, s'il te plaît, laisse-moi. Non, attends. C'est moi qui ai appelé, laisse-moi parler. Voilà. C'est-à-dire, quand tu m'envoies les messages, tu me dis, bon, je viens dans 15 minutes ou bien dans 20 minutes. Ne m'appelle pas pour me dire, à tout à l'heure. C'est quoi, c'est quelle heure ça? Non, je n'aime pas ça. Je préfère te dire dès maintenant, on n'a qu'à savoir ça maintenant. Voilà. Hey, c'est sa maman. Hey, maman, pardon. Hey. C'est sa maman. Non, là, il est tout gâté. Parce que ça, de toute façon, femme, quand ça commence comme ça, là, c'est dangereux. Dans le pointage, quand il y a des comportements comme ça, il faut tout régler en même temps, c'est mieux. Parce qu'après, elle va vouloir monter sur ta tête. Ça là, si lui avait dit, viens prendre 200 000, elle est là avant moi. C'est parce qu'il dit, je suis femme, viens, je t'invite, on va parler, c'est à cause qu'elle est en retard. Voilà, femme est au rendez-vous quand c'est l'argent. C'est la vérité. Et elle prend ça avec celui qui vient devant elle, qui a l'argent, elle prend. Même si tu n'es pas brossé pendant 3 jours, elle va t'embrasser. Tout ce qui l'intéresse, c'est son argent. Non, mais c'est vrai, mais les femmes aussi, vous souffrez. Hein. Non, le gars, il ne se brosse pas, mais il te drague. Mais bon, peut-être que ce sont tes parents qui te l'ont imposé, donc tu es obligé de faire un effort, mais après, tu payes patte pour lui donner. C'est-à-dire, oui, il ne faut pas frustrer les gens. Ce n'est pas bon. Tu peux faire des cadeaux, hein, pas de dentifrice. Ça, c'est le comportement des blancs, ça. Un blanc, quand il veut te parler mal, il passe par des moyens comme ça. Ouais. C'est comme ça. La fille, elle n'appelle pas encore. Moi, je ne comprends pas. Hein. Il y a quelque chose, vous allez me dire. On m'a dit que vous êtes fort. Qu'à Bamako, ici, tout le monde connaît papier. Donc, on va essayer. On va essayer. Je donne
le nom d'un fruit, vous donnez l'arbre qui produit le fruit. Avocat. Non, tout le monde. En même temps. Avocat. Non, ce n'est pas tout le monde. J'ai dit tout le monde. On dit vous êtes fort, vous hésitez. Avocat. Mangue. Riz. Non, ça peut arriver. Tout le monde peut faire des erreurs. Tout le monde, on va recommencer. Tout le monde peut faire des erreurs. Ça, c'est des choses qui arrivent. Hein? Goyave. C'est pas un choc. Goyave. Manguier. Non, ça, c'est ma faute. C'est moi qui ai fait ça. Goyave. Mangue. Anana. Donc les gens ont menti. Bonsoir. Bonsoir. C'est quel nom? Mariam. Et vous? Et vous? Vous? Ah, c'est soumis ou bien? Il est demain allé. Ça c'est quel nom ça? Et vous? Quoi? Panier. Même blanc n'a pas de nom comme ça. Non, 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 parce que où on est arrivé là? Quand on demande ton nom, il faut donner. Hein? On ne sait jamais. Bonsoir, monsieur. C'est quel nom? Ismaël. Ismaël. On sait que vous êtes à l'aise. On se ressemble, hein? On a les mêmes signes zodiacaux. Les gens disent que je parle mal. Imaginez, on est dans l'ascenseur, on va au 17e, on est bloqué au 8e, courant est coupé. On est deux. Bon, à un moment, j'ai commencé à constater que le petit oxygène qui est dans l'ascenseur a commencé à diminuer. Donc, j'ai négligé un coup d'œil vers mon correspondant. Au début, j'ai pensé qu'il avait porté lunettes noires. Oh, c'est Narine qui est là comme ça. J'ai dit, ah, mon ami, on ne sait pas à quel moment ils vont venir nous sauver. Il faut fermer un côté. On va se débrouiller à un petit qui reste là. Ça, là, c'est mal parler à quelqu'un encore. Moi j'aime les blancs, mais souvent aussi eux aussi ils déconnent. Et ils aiment faire les expériences, tout ce qui est dangereux. Ils sont arrivés à Abidjan, ils ont pris les fous les plus dangereux de toute la Côte d'Ivoire. Et ils vont faire expérience à Paris. Donc on les a mis dans l'avion. Un moment, l'avion bougeait beaucoup. Et le pilote dit à son copilote, pardon, il faut voir les gens là, parce que l'avion bouge là. Il faut voir les gens. Donc il arrive, ils ont mis petit poteau d'avion là, ils sont en train de jouer. Et il y a un qui est calme qui est assis. Donc il allait voir celui qui est calme là, il dit, ah mon frère, pardon, il faut parler à tes amis là. Hein? Où on s'en va là? Il y a grand terrain comme ça, ils vont jouer jusqu'à... Et il est rentré dans la cabine. Deux minutes après, l'avion est calme, ça roule bien. Le pilote dit, bon, ceux-là aussi, quand c'est trop calme, c'est pas bon. Et pardon, il faut aller voir là-bas, là. Il arrive, celui qui est assis calme, là, il est assis seul dans l'avion. Il dit, mais où sont tes amis? Il dit, ah, mais comme eux, ils tenaient à jouer. Je lui ai dit, non, qu'à aller jouer dehors, après, ils vont venir. Non, là, tu vois, c'est pas où les fous là sont tombés. Affaire de fous, c'est dangereux. Hein? Il y a un qui se lève. Un matin, il va voir son camarade fou sous un arbre là. Il dit, non, j'ai fait un rêve hier là. C'est pas vrai. Je suis parti à Paris. J'étais à Paris comme ça, couché sous les Champs-Élysées. Il dit, ah bon?
Tu as vu la tour Eiffel? Il dit, mais c'est là-bas, il s'est passé d'abord. Là, son ami dit, oui, moi aussi, j'ai fait le même rêve là, mais pour moi là, je suis devenu multimillionnaire. Maintenant, l'autre fois, il dit, aïe, non, toi, tu as l'argent comme ça, et puis tu ne viens pas me voir à la maison. Il dit, non, je suis passé, mais on m'a dit, tu es parti à Paris. Les fous, il faut te méfier des fous. Hein. C'est important. Vous aussi. Petit examen, là, vous avez échoué. Mangué, là. C'est ça, vous êtes là. Mais je vous comprends. Je vous comprends. Parce qu'à l'école, les gens ont souffert quand même. Oui, oui. Il y a des gens qui sont allés en classe et il y en a qui sont allés à l'école. Tu peux aller à l'école sans être en classe. Qui n'a pas tiré coup ici? De, vis-à-vis des parents. Pas ta coiffure déjà, on sait que tu as tiré tout. Oui, ton enfant ne doit pas aller à, comment? Vous êtes allé à l'école ou en classe? Vous êtes allé à l'école? Elle dit, elle est allée à l'école. Pourquoi t'as dit en classe? C'était ta voisine? Aïe. Quelqu'un dit, je vais à l'école. Toi, tu dis en classe. Non. C'est vrai, hein? Parce que, imaginez, Kofi. Le maître dit, bon, aujourd'hui, le cours se porte sur le dessin. Dessinez-moi un train qui passe. Les enfants ont commencé à dessiner. Donc, ils passent dans la rangée. Et écoute, toi, ton train là, est trop petit, hein? Ça ne peut pas prendre beaucoup d'hommes, ça. Toi, essaie de recadrer un peu tes rails là. C'est trop tordu. Un train ne peut pas faire comme ça tout le temps. Faut revoir ça. Il arrive sur Kofi. Kofi a dessiné rail. Mais où est le train? Mais c'est au moment où vous étiez là-bas, là, c'est là, moi mon train est passé. C'est ça, hein? Il y a des moments où tu es en danger, tu es obligé de... Hey, mon ami, il faut rire doucement. Vous avez payé les mêmes prix, là. Voilà, tu ne ris plus que les autres, ce n'est pas normal. Il faut revoir le volume de ton... Ce que tu as payé, là, celle qui est à côté, là, elle a payé la manche. Moi, quand je vous vois comme ça, j'ai pitié, parce que je suis seul, là, ça m'arrange. Si quelqu'un a maillé œuf. Œuf, on peut accepter. Mais à une certaine quantité de consommation, il y a des positions que œuf n'aime pas. Ouais, où on croise les pieds. J'attends. Un silencieux. Respectueux. Et les blancs sont tellement forts que quand ils ont fabriqué veste, ils ont pensé à ça. Parce que quand tu portes veste, l'odeur ne sort pas au hasard. Ça sort vers ici. Là. Non, orientation des vents, direction dans les narines des voisins. Donc faites attention à certaines consommations. Œuf simple, on peut accepter œuf, mais avec piment, là, c'est pas bon. Là, vous n'avez pas pensé aux voisins. Ouais. Et puis, il y a une chose que vous ne devez pas souhaiter à votre pire ennemi. Djaré. Djaré ne connaît pas. Tu es grande dame, tu es sapé, Djaré ne connaît pas ça. Il te prend quand il veut et où il veut. Et généralement, il ne te prend pas chez toi à la maison. C'est le seul truc qui change la démarche des gens. Et chaque fois avant de venir, il y a des préliminaires, les pou-pou, de toute façon. Et Djaré, tu ne transpires pas beaucoup. Il y a une seule goutte de sueur qui quitte ici. Et au fur et à mesure que ça descend, tu es en danger. Là, ta démarche change. Quelqu'un qui marchait normalement comme ça, il est obligé de
de faire comme ça. Il y a des choses qu'il ne faut pas souhaiter. Non, c'est vrai. Hein? Une belle fille métisse est passée à côté de deux blancs. Elle a vu les deux blancs, elle a commencé à changer sa démarche. Donc les blancs causaient. Et puis à un moment, elle a senti que les blancs ont suivi le... Oui, c'était un sonorisé. Et puis elle voulait cacher le bruit en faisant... Le blanc dit oui, fou, mais et l'odeur. Qui se rappelle pas de sa diarrhée? Chacun a eu ça. Hein, n'est-ce pas, Douane? Chacun a eu ça. Surtout nous, là. Pour nous, c'est très dangereux. Ton visiteur qui vient te rendre, un gars qui vient et puis tape à ta porte, il dit, je vais aller aux toilettes, regarde d'abord la dimension ventrale. C'est très important. Hé, femme. C'est parce que je suis amoureux. Sinon, je fais quoi ici? Et puis, femme, toi, c'est tout ça là qui fait que je ne veux pas me marier. Parce que quand tu te maries, tu as problème. Une femme qui soupçonne son mari, le mari ne peut pas respirer. Toujours, elle est derrière son mari. Elle le soupçonne à cause de la servante. Oui. Parce que dès que le gars se lève, il s'en fait pipi la nuit, là. 3h du matin, il s'en fait pipi. Il dure. Puis il revient. Quand il revient, il est fatigué. Mais elle ne comprend pas. Un soir, elle a dit à la servante, voilà la maison, tu vas venir demain. Quand son mari s'est levé à 3h du matin, pour aller aux toilettes, elle s'est levée, en même temps, elle allait se coucher dans la chambre de la servante, elle a mis drapé sa tête. Quelqu'un est venu dans le noir. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Quand ils ont fini, elle a allumé, c'était le gardien. Jalousie peut te mettre dans le problème. C'est vrai? Et puis nous les hommes aussi, franchement, tu as décidé de te marier, reste tranquille. Il va commencer à trouver des plans. Il va dormir chez sa maîtresse. Chaque vendredi, samedi, c'est là-bas qu'il dort. Jusqu'à 3h30 du matin, il met son réveil. 3h30, ça sonne, il se lève, il s'habille, il vient à la maison. Un vendredi, il a oublié. Il s'est lavé. Il dit, il va se reposer un peu avant de sortir. Donc sa femme même vient. Tu ne sors pas aujourd'hui? Tu as changé de... Il dit, non, je vais me reposer un peu. Il s'est endormi. Donc sa femme a enlevé ses chaussures, pantalons, tout, enlevé chemise. Elle a bien couché. Elle aussi, elle s'est couchée à côté de lui. 3h30, le réveil a sonné. Il se lève un coup, il dit, « Wouh! Attends, je vais partir vite, faut pas la sorcière là-bas. » Là, il est chez lui à la maison. Tu vois, il y a des situations de mariage comme ça, c'est tout ça qui me décourage. Un monsieur qui avait l'habitude de boire, tous les jours il est saoulé. Sa femme lui a dit, « Le jour tu bois maintenant, il était frappé devant tes amis. » Donc, pour ne pas avoir la honte, il a arrêté de boire. Mais quand il passe comme ça devant le cabaret les samedis, puis voit ses amis en train de faire le show, il a mal. Un samedi, il a dit à sa femme, chérie, aujourd'hui, là, moi-même, je vais aller au marché, je vais payer escargot. C'est ça que je vais manger. Escargot. Il est sorti à 8 heures. Il allait boire avec ses amis quand il a acheté escargot.
Il est arrivé devant la porte. Azep Boisson, quand tu es saoulé, là où tu veux aller, là, c'est pas là-bas, lui t'envoie. Il voulait monter la marche, là, son pied a tapé. Il est tombé, escargot est versé. Donc la femme a entendu le bruit, elle vient. Elle ouvre la porte. Regarde, tu es saoulé encore. Il dit non, non. Et les escargots ont commencé à marcher. Il dit, c'est ceux-là. Depuis le matin, j'ai dit, ils n'ont qu'à faire vite, tu vas préparer. Et regarde. C'est maintenant qu'ils sont arrivés. Bonsoir à ceux qui sont venus à leur maîtresse. Ouais, il y a tout ça ici, hein. Bonsoir à les filles qui sont venues chercher garçons. Les garçons aussi sont venus chercher femmes. C'est tout ça qui fait, qui remplit une salle. Il y a des filles, quand tu leur dis bonsoir, et puis elles te regardent comme ça. Faut laisser. Faut laisser. C'est malédiction, faut laisser. Non, c'est la vérité. Il ne faut pas insister. La vie est simple. Ce n'est pas compliqué. Vraiment, on a fait quoi aux Blancs, hein? Ils ont divisé Côte d'Ivoire. Après, ils sont venus diviser Mali. Mais ce n'est pas fini. Et je crois que ces pays-là, c'est pour les Africains, sont... Le nez, là, il va partir là-bas aussi. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Voilà, je vais rentrer à Bidjan en sécurité. Oui, c'est pas ça. Il dit quoi, lui, là? Il faut parler, tu peux parler. Vous avez un problème? Souvent, les caméramans, là, souvent, ils ont des maladies que nous, on ne comprend pas. Hein. Comment un être humain normal peut lever sa main et regarder quelqu'un? Hein? Non, c'est-à-dire, en fait, nous, les bêtés, en Côte d'Ivoire, dans chaque pays, il y a ça, non? Les groupes ethniques qui aiment pas la... Chez nous, c'est bêté. Ouais, ouais. Et puis chez nous, là, quand tu es assis et que ton grand frère vient pour dire qu'il y a quelqu'un qui l'a frappé, quand tu trouves la personne, tu ne te demandes pas qu'est-ce qui s'est passé, tu frappes la personne. Ah oui, oui, chez nous, c'est comme ça. Et ils ont frappé le grand frère de Nyaoré. Quand il a vu son grand frère en sang, il n'a même pas porté chaussures. Il est arrivé là-bas en même temps. Le gars est dans la maison, son fils est dehors. Il dit, appelle ton papa. L'homme qui l'a frappé là, il a des parents aussi. Donc l'enfant, lui, il rentre. Puis il ressort avec une chaussure. Pointue 75. Son papa lui a dit, il faut lui montrer ma chaussure. Si vraiment il veut faire parler, je vais sortir. Quand Yaoré a vu ça, il dit, tu as fait parler avec quoi? C'est pas tout, on provoque. Quand tu regardes quelqu'un qui a ta dimension, tu peux provoquer. Mais ce que tu as fait là, si moi je t'ai fait du mal, que tu veux que je me suicide, dis-moi, je vais me suicider. C'est mieux. Mesdames et messieurs, je crois que le caméraman est en train de me faire signe que le temps est arrivé. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que il faut que vous soyez soudés pour retrouver votre territoire dans l'intégralité. Tout ce qu'on peut faire, tout ce que nous pouvons faire, c'est de vous soutenir. Nous, artistes, nous ne faisons que dénoncer. Même en Côte d'Ivoire, nous ne faisons que dénoncer. Même dans les autres pays, Libreville, partout où nous passons, nous ne faisons que dénoncer. Si vous n'êtes pas soudés, nous, on ne pourra rien faire pour vous. Et comme je sais que le Malien... il aime son frère, il aime sa sœur, il aime sa femme, il aime ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Africa Comédie. Africa Comédie. Africa Comédie.
l'intégration à travers l'humour. Africa Comédie. Africa Comédie. Africa Comédie. L'intégration à travers l'humour. Ah, boy.